Nous assistons aujourd'hui à un lancement d'un concept qui s'appelle Speed Dating avec les startups qui sont accompagnées dans le cadre d'Orange Digital Center, mais c'est Orange Fab qui accompagne les startups marocaines. Et aujourd'hui, on va lancer, pour profiter justement de la présence de partenaires et de mentors ici au Jaitex, de lancer un speed dating basé sur WeRound qui aura lieu tout à l'heure avec l'ensemble des startups qui sont présentes ici dans notre espace Orange Digital Center. L'objectif de cette rencontre permettra à la startup marocaine et à la startup d'Orange Afrique aussi, parce qu'ils sont invités aussi dans le cadre de Jaitex, de voir, de découvrir justement les mentors, les experts Orange Maroc, les experts aussi d'Orange Afrique aussi, c'est important de le dire, parce qu'ils nous accompagnent aussi dans ce genre de projet, et de permettre, je disais tout à l'heure, que ces startups, on sait très bien que tout le monde et toutes ces startups cherchent à être accompagnées, mais surtout à être financées. Donc aujourd'hui, il y a une occasion, il y a une grande opportunité pour ces startups, à travers ces rencontres et ces rounds qu'on va faire avec eux, de leur permettre un petit peu d'avoir la possibilité d'aller au-delà de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'on donnait à cette start-up ou à ce projet que nous accompagnons depuis quelques mois. Nous avons pas mal de start-up, mais nous choisissons celles qui sont matures, celles qui arrivent à s'imposer sur le marché. Justement, de l'entrepreneuriat, c'est important, parce que quand on veut investir, on a besoin de s'assurer que tout marche, tout fonctionne, et que c'est un projet qui doit avoir sa place au niveau du marché de l'entrepreneuriat ou du marché local ou international. Donc aujourd'hui, nous aurons 10 startups qui vont assister à ces rencontres, qui auront l'occasion de rencontrer ces mentors, mais qui auront l'occasion aussi de pouvoir vendre leur projet. Aujourd'hui, tout le monde essaie de placer son activité, son projet auprès de l'investisseur, auprès du partenaire financier. Donc notre application, pour la résumer en une seule phrase, c'est le Toc Toc de l'éducation. Donc justement, pour savoir de quoi il s'agit, c'est une initiative qui part du constat que les élèves s'ennuient et souffrent lors de leur révision et leur préparation au baccalauréat. Et on a pensé que c'était possible qu'ils allient l'utile à l'agréable et qu'ils puissent justement réviser tout en s'amusant. Donc on a créé un format de cours qui est adapté à la jeune génération, qui est vertical comme les TikTok et qui va de 30 à 60 secondes. Et il y a également un aspect social à travers des défis que peuvent se lancer les étudiants et les élèves mutuellement. Et donc justement, l'application, pour résumer, elle est faite pour plaire aux élèves et pour les intéresser à leurs études. Et bien sûr, les résultats suivent de manière très très logique cette initiative. Par rapport à la raison de ma présence ici à Jaitex, c'est parce que justement je suis sponsorisé par Orange et que je suis incubé chez Start & Scale, un accélérateur d'Orange. Et du coup, ils nous ont offert cette opportunité. Ils ont même pris des rendez-vous avec des investisseurs potentiels par rapport aux startups. Et par rapport à l'événement Jaitex, ce que je peux dire, c'est que franchement, c'est une bonne expérience afin de pouvoir réseauter avec des investisseurs, des clients potentiels, de futurs sponsors. Je remercie franchement Orange pour cette opportunité. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.